Nous y sommes. Caldeum, le joyau de l'Orient. Oncle Descartes adorait cette ville. Il l'aimerait moins maintenant qu'elle est sous la coupe de Bélial, le seigneur du mensonge. Sa puanteur flotte dans l'air. Il faut nous séparer. Vous deux, trouvez Bélial. Moi, je vais traquer cette harpie de Magda et lui faire regretter la mort de Cain. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir Caldeum ? Je m'étais pourtant juré de ne jamais remettre les pieds ici. Mais voilà. À cause de ce qui était arrivé à votre père ? À cause de ce qui m'est arrivé à moi. Il y a des blessures qui ne se referment jamais vraiment. Alors autant ne pas en rajouter. Et de toute façon, j'aime pas le climat non plus. Garde ? D'où viennent tous ces réfugiés ? Je ne suis pas une garde. Je m'appelle Ashera, et je commande les Loups de Fer. Nous avons sauvé ces réfugiés de la cabale de Magda, qui sème actuellement le chaos dans les marches. On dirait que le destin nous a réunis. Cette chère Magda est mon ennemie. Vous savez où elle se cache ? Elle est en route pour Alcarnus, mais elle a bloqué le passage derrière elle. Cependant, il y a un autre chemin, par l'avant-poste de Cassim. Vous avez entendu ça? L'empereur Akam a expulsé toute sa cour de la ville. Ils sont coincés ici, comme nous. Tyrael et moi avons découvert que pendant que les Loups de Fer combattaient Magda dans le désert, l'empereur les a remplacés par une garde impériale qui empêche tout accès au centre de la ville. Je soupçonne que les Loups de Fer ont été envoyés à la mort. Bélial a bas son jeu. Nous devons trouver un moyen de pénétrer dans la ville. Quand j'étais petite, j'ai exploré tout Caldeum pendant qu'Oncle Descartes menait ses recherches ici. Je peux nous trouver un passage par les égouts. Parfait. Essaye d'en apprendre le plus possible. Moi, je vais à Alcarnus pour m'occuper de Magda. Soyez prudente. Alcarnus ressemble fort à un piège de Magda. Ce portail mène à Alcarnus. Vous devez suivre la longue route qui traverse le pont sur la gorge et l'avant-poste de Cassim. Nous n'avons eu aucune nouvelle des Loups de Fer partis dans le désert. Si vous réussissez à atteindre l'avant-poste de Cassim. Prenez garde, voyageurs. Ces routes du désert sont gardées par la secte. Ils tueront tous ceux qui les empruntent. Tout ce qu'ils vont faire, c'est mourir. Je suis ici pour les tuer, eux et leur chef. Alors vous ne devez pas y aller seul. Je vais vous accompagner. Il y a des illusions dans le désert. Certains les appellent des mirages, mais je les vois pour ce qu'elles sont. La magie noire de la cabale. Elle vous mènerait à la mort. La cabale n'a pas réussi à me tuer jusqu'ici. Et elle ne réussira pas plus à l'avenir.
mais merci pour l'avertissement. Soyez sur vos gardes, ils ne sont pas loin. Vous êtes sûr? Comment est-ce qu'ils pourraient passer? Vous n'auriez jamais dû. Risquez mon se refait. Les forces m'abandonnent. J'attends que ce soit prêt. Comment vous avez fait pour deviner qu'ils attaqueraient à ce moment précis? Je suis une enchanteresse. Les artifices et les illusions magiques n'ont pas de secret pour moi. Je m'appelle Eirena. Je m'y connais assez en magie, et la vôtre est assez inhabituelle. Qu'est-ce qui vous amène vraiment dans le coin? Eh bien, je suis aussi à la recherche de quelqu'un. Mais laissez-moi vous dégager le chemin. Capitaine, derrière nous! Protégez les civils! Loup de fer, au combat! Je suis blessé. Si vous n'aviez pas été là, les Lacunis auraient eu de quoi se goinfrer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que je m'attende à en croiser d'autres sur la route d'Alcarnus? Oh, ce sera encore pire que ça. Dans le désert, du fond de deux de leurs antres, des fanatiques profèrent des incantations pour masquer le pont de la Gorge Noire. Allons vers le plateau plaintif, au nord. La magie des fanatiques semble provenir de là. Il y a une autre illusion ici. Ils ont voulu dissimuler leurs traces, mais leur magie est faible et facilement neutralisée. En suivant ces empreintes, nous pourrons trouver leurs repères et mettre fin au rituel. Je vais traquer la moindre trace de leur magie. Voilà l'un des antres des fanatiques. Ils s'y enferment pour invoquer une partie des illusions. Qui devrait lever une partie de l'illusion. J'avais perdu tout espoir. Mille fois merci. Ah, que Akarat bénisse. C'est avec répugnance que j'écris ces lignes sur les sept seigneurs des enfers, car ils sont les plus grands des démons. Et le simple fait de murmurer leur nom semble empoisonner l'air que je respire. Ils sont répartis en deux rangs. Les démons inférieurs, Bélial, Asmodan, Duriel et Andariel. Et les démons primordiaux, Méphisto, Baal et Diablo. Voilà l'un des antres des fanatiques. Ils s'y enferment pour invoquer une partie des illusions. De la chair. Le rituel est interrompu. Je
suis durement touché. Voilà qui devrait suffire à dissiper la magie de la cabale. Retournons au pont. Magda, l'héroïne, a l'intention de t'attaquer à Alcarnus. Si j'étais toi, je lui tendrais un piège à l'avant-poste de Cassim. Mais je ne suis pas toi. D'après moi, tu as l'intention de me faire défaut encore une fois, et donc de m'obliger à te tuer. Cela me chagrinerait, mais avec un petit effort, je pense que je pourrais me faire violence. Je vous dois la vie. Soyez bénis. Ils ont torturé mon pauvre mari. Dites, qu'est-ce que vous ferez quand Magda sera morte? Les seigneurs des enfers, Bélial et Asmodan, veulent envahir le monde. Je vais écraser leurs armées et leur fendre le crâne à tous les deux. Je crois qu'il est temps de vous raconter ma véritable histoire. Je ne viens pas de Chaldéum. J'ai appris ses sorts il y a 1500 ans. Mes sœurs et moi étions au service d'un homme au pouvoir immense. Nous l'appelions le prophète. Il nous a entraînés, puis nous a plongés dans un sommeil magique pour que nous nous réveillions à cette époque. Ma mission est d'empêcher l'invasion des seigneurs des enfers. Vous ne plaisantez pas. C'est vrai que j'ai lu quelque chose sur un sort de stase une fois. Mais je ne l'ai jamais essayé. Venez avec moi. Avoir une consœur mage avec qui discuter me fera le plus grand bien.